Salut, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour célébrer mon année avec le petit Léo qui a fêté ses 1 an en février, fin février, mais moi, eh bien, je l'ai adopté 2 mois plus tard, donc c'est un peu comme son anniversaire si on veut. Et je pensais en fait que de revenir sur cette année avec Léo, ce serait aussi revenir un peu sur mon année. Et j'ai découvert à quel point de documenter toutes les choses que je fais, ça me permet parfois de prendre une certaine perspective. Et à travers Léo, j'ai beaucoup apprécié cette perspective en fait, parce que d'habitude, la perspective, je l'ai grâce à moi, enfin à travers moi, à travers mes expériences. Mais de partager mes expériences avec Léo, ça a donné un autre angle. Et c'était assez intéressant de voir ça quand j'ai monté cette petite vidéo, de revenir à toutes les vidéos du début, etc. Ça m'a montré que Léo m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur lui, sur la vie. Bon, Léo, c'est qui ? Léo, c'est un petit chien qui est un mélange de beaucoup de choses différentes, et notamment de berger australien et whippet. Il a 1 an, il fait 45 livres. Et quoi d'autre? Il est très indépendant, il aime les filles. C'est un petit chien-chien qui est quand même très très parmi les meilleurs chiens que j'ai jamais eu dans ma vie en termes de facilité quand même de vivre avec. C'est-à-dire qu'il passe partout. Il va partout là où je vais. Maintenant, il est un peu plus laissé tout seul, ce qui est très positif, je pense, pour un chien. Et justement, ce que m'a appris Léo, il m'a appris beaucoup sur mon anxiété à moi, en fait, parce qu'il m'a montré que si je suis anxieux, je ne peux pas communiquer avec lui et que je lui rends la vie très difficile parce que c'est très... il est très confus quand moi, je suis anxieux parce que je pense qu'il s'attend que moi, je sois son alpha, son leader. Quelque chose d'autre que Léo m'a appris, c'est que les chiens sont un peu nos miroirs, parfois nos miroirs opposés. Parce que Léo, il est extrêmement social et ouvert sur les autres, il est très intéressé par toutes les choses. Et moi, j'ai peut-être une personnalité plus introvertie. Et Léo, c'est l'inverse. Et c'est un peu comme si il me force un peu à voir ces différentes facettes de moi et de me sortir un peu de mes zones de confort. Et c'est assez intéressant aussi d'être forcé dans sa vie parfois à ouvrir son esprit, à ouvrir son champ des possibles pour peut-être essayer de travailler sur soi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le petit Léo. Alors Léo, qu'est-ce que j'ai appris aussi avec lui, c'est que ce n'est pas mon chien, ce n'est pas ma possession. Il est sa propre personnalité. Les animaux, ils sont leur propre individualité. Et il faut honorer ça. Je crois que c'est très important et même avant de prendre la décision d'avoir un chien dans sa vie, de comprendre qu'un chien n'est pas... va s'adapter à votre mode de vie, mais c'est une personne en soi. Enfin, une personne. C'est un être vivant en soi qui est sa propre personne. Et il faut honorer cela et prendre ça en considération. Quand on essaie, par exemple, quand on a certains défis avec son chien, parce que Léo, par exemple, c'est un chien qui est très sensible, qui est vrai, qui est anxieux d'une certaine manière, qui a la peur de ne jamais faire partie de ce qui est en train de se passer, de ce qui est cool. En anglais, on dit FOMO, the fear of missing out. Ben, c'est vraiment Léo et ça vient avec son lot de défis parce que bien, c'est un chien qui veut toujours aller explorer, être en avant, c'est un peu un chien bêta en fait, qui est vraiment à l'avant de la meute et qui adore faire partie de la meute et que parfois moi qui suis un peu plus réservé et qui aime être plus silencieux, ben c'est pas ça qui arrive avec Léo parce que Léo, il exprime ses besoins très très fort. Léo, c'est un petit pleureur parfois pour des choses un peu ridicules qui sont vraies pour lui, mais c'est là où je réalise que j'ai parfois un enfant un peu pourri gâté. Bon, je me suis essoufflé parce que c'était une inclinaison de je ne sais pas combien de mètres, mais j'avais pas réalisé à quel point on allait monter. Mais c'est un bon entraînement pour la saison. Mais c'est assez intéressant de voir que chaque défi vient avec des solutions. Pour moi, avoir un chien, ça a toujours été
ça change ta vie et tout à coup il faut faire tout en fonction de lui. Alors c'est pas nécessairement vrai et j'ai appris ça sur le tas, que en fait votre chien il va s'adapter à ce que vous lui donnez et un chien aime beaucoup les structures. Donc ça fait que les défis de Léo qui l'a porté dans ma vie, surtout avec vivre en van ou vivre sur la route ou être parfois tout seul, eh bien ça, c'est un peu, il faut s'occuper à 100% de cet petit être vivant. Mais en fait j'ai réalisé qu'il y avait plein de solutions à cela et que par exemple l'excuse que je me donnais souvent avant, oh, je ne peux pas avoir un chien parce que je voyage, il y a plein de moyens quand vous voyagez de soit faire garder votre chien, soit de voyager avec votre chien. Enfin, c'est rien n'est la fin du monde et je pense que moi, je me suis donné beaucoup d'excuses toute ma vie pour parce que je me sentais pas prêt. Et quand on est prêt, eh bien, les animaux changent notre vie, tout simplement. Parce que ils nous font voir. Enfin, quand je vais dans la nature, moi j'ai toujours été très ébloui par la nature, j'ai toujours adoré m'émerveiller des choses, mais de voir Léo évoluer dans tous ces paysages qui m'emplissent beaucoup, de voir des animaux, et Léo il a beaucoup d'amis chiens ici, il fait vraiment partie d'une vraie meute, et donc de voir des animaux évoluer, même si c'est pas des animaux sauvages, parce que les animaux sauvages on les voit pas tout le temps, ça vous donne une autre perspective en fait des environs, de l'environnement, de la réalité et de la nature. Et ça, j'aime beaucoup en fait cet aspect-là. Le futur avec Léo, moi, comment je le vois, c'est... j'aimerais beaucoup lui donner plus de chiens, parce que c'est un chien de meute. Léo, il adore faire partie d'un groupe qui marche ou qui est tranquille ou il adore jouer. Enfin, c'est vraiment un chien pour chien. J'aimerais lui donner en général même, limite, d'autres animaux, parce que c'est vraiment un chien qui adore en fait tous les êtres vivants et qui je crois que s'il avait ça plus dans sa vie, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup lui donner. Et ultimement, j'aimerais beaucoup lui donner un espace où il peut avoir un chez lui. Alors en ce moment, je vous dis certaines choses que je vous en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, mais il a une sorte de petite base, mais j'aimerais beaucoup un endroit qui soit vraiment dans la nature et que ce soit un peu son repère et qu'il puisse vraiment en faire partie. Mais à la fois, Léo c'est un vrai chien nomade, il aime beaucoup voyager, il adore faire des voyages en voiture et des randos et... C'est facile à comprendre quand vous voyez ces magnifiques paysages-là. Donc voilà une petite rétrospective que je pensais que ce serait drôle de vous partager ça. Et je n'ai pas trop partagé de Léo, même s'il a été dans chacune de mes vidéos depuis un an maintenant. Bon, sur ce, j'espère que vous partez bien. Léo aussi, j'espère que vous partez très bien. Et petit Léo. Et je vous dis à bientôt pour... des nouvelles aventures, pour plein d'autres choses que j'ai envie de vous montrer ce printemps et cet été, et cet automne. Donc restez avec moi si ça vous tente et je vous souhaite le meilleur. Bye.